Bonjour. Au Chili, des passants ont fait une horrible découverte. Alors qu'ils passaient près d'une fosse à goudron, ils se sont rendus compte que quelque chose se débattait vigoureusement à l'intérieur. Ils y ont alors découvert un sac de jute dans lequel était enfermé un chien. Conduit en urgence dans un centre vétérinaire, le pauvre toutou a été rapidement débarrassé de la couche de pétrole le recouvrant. Aujourd'hui, le toutou, nommé Quitran, ou goudron en français, va beaucoup mieux et attend d'être adopté par une nouvelle famille aimante. L'entreprise japonaise Poppet vous propose d'immortaliser votre toutou en 3D. À l'aide d'une photo de votre animal, la société crée une image en plastique avec le museau de votre toutou en relief qui vous donnerait presque l'envie de le caresser. Et pour un rendu encore plus réaliste, la société ajoute un vernis brillant sur la truffe et les yeux de votre chien pour une photo presque plus vraie que nature. Le saviez-vous ? Le petit chien présent dans le film Le Magicien d'Oz était une femelle Cairn Terrier nommée Terry. Dans l'agenda aujourd'hui, le club canin de Danemarie organise un concours d'agility le 17 avril à Danemarie dans le Haut-Rhin. Tout de suite, le zapping buzz du jour, 5 secondes pour vous faire sourire. Partagez la Minute Chien sur vos réseaux sociaux et surtout abonnez-vous gratuitement à wamis.tv pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. À bientôt.